Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à ce programme spécial de possession de ton année 2024. Oui, Dieu t'invite à marcher dans la domination. Alors lève-toi et proclame pour le compte du mois de février 2024. Jour 2. Je marche dans la domination et ma famille vit ce que Dieu a dit. La parole devient chère dans ma famille. Elle vit ce que Dieu a dit. La parole de Dieu agit puissamment pour détruire les divisions du passé, les jalousies, les concurrences, l'égoïsme, l'hypocrisie dans ma famille. La parole révélée sur ma famille ramène entre parents et enfants, frères aînés et cadets, oncles et cousins, époux et épouses. La parole vient avec un feu qui fait cesser les guerres de générations et laisser place à l'amour fraternel. La puissance du Saint-Esprit rétablit la communication, le dialogue entre les frères, époux et épouses, dans toute la famille. Les oncles et les cousins sont réconciliés. La haine et les séparations du passé sont oubliées. Et la voie du pardon est empruntée par tous. Les chefs de famille délaissent la voie de l'orgueil et de la suffisance. Ils militent pour rassembler tout le monde de la famille sans plus rejeter qui que ce soit à cause de son origine. Les traumatismes liés aux abus de toutes sortes sont effacés. Les blessures familiales sont guéries. L'amour divin couvre tout et ouvre de nouvelles pages plus glorieuses. La force de la parole amène ma famille à vivre la communion fraternelle. Le partage, les assistances financières et matérielles. La parole révélée sur ma famille consolide nos relations et nous devenons des lumières véritables pour notre entourage. Dieu parle et la restauration de ma famille devient un témoignage puissant et encourage les autres familles. Ma famille vit ce que Dieu a dit. Les événements heureux se multiplient. Les mariages, les naissances, les diplômes, les promotions, les nominations, les consécrations à Dieu. Je crois et je dis Amen.